Merci Alexis. La responsabilité populationnelle, évidemment, c'est quelque chose dont vous entendez parler depuis maintenant 2 ans. On entre dans une phase là, beaucoup plus opérationnelle en nous appuyant sur 5 territoires, je dis bien territoires volontaires. Donc, on va entrer vraiment dans les prochaines semaines dans une phase très opérationnelle où on va chercher justement à mettre en œuvre cette approche d'intégration clinique. Donc, vraiment, grand merci à nos 5 participants ce matin qui représentent en fait les 4 des 5 territoires. Merci tout particulier à Dr. Thomas Couturier, qui est médecin généraliste à Quimper, président de CPTS. C'est un gros sacrifice d'être ici ce matin, incluant du point de vue financier des médecins généralistes. Donc, vraiment, merci particulier d'être là. Et merci à tous, bien sûr, d'être ici ce matin. Donc, je vous présente un peu cette démarche qu'on va essayer de mettre en œuvre d'un point de vue très opérationnel dans les semaines et les mois qui viennent. Et après, bien sûr, je laisserai ma parole aux représentants de chacun des territoires pour qu'ils nous disent un peu comment ils voient ça dans la pratique. Donc, au-delà du concept, vous le savez, donc depuis 2017, c'est dans la plateforme politique de la Fédération, engager une transformation de notre système de santé en l'appuyant sur ce concept de responsabilité populationnelle. Maintenant, comment on fait en pratique? C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on a effectivement 5 territoires, l'Aube et le Cézanne, la Cornouaille, les Deux-Sèvres, le Douaisis et la Haute-Saône, qui se sont engagés pour vraiment mettre en place, dans les faits, en réel, sur le terrain, auprès des patients, avec les professionnels de santé, cette approche intégrée qui vise la meilleure santé pour la population, la meilleure expérience pour le patient, au meilleur coût pour la société. Donc, c'est cette notion de triple objectif. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, comme je disais? C'est viser à l'échelle d'un territoire, en même temps, l'amélioration de la santé de la population et l'amélioration de l'expérience de prise en charge de patients individuels. Parce que, évidemment, si on n'est pas capable de travailler sur le volet amélioration de la santé de la population, on aura beau améliorer sans arrêt les services aux patients individuels, en fait, on n'arrivera jamais à augmenter significativement les résultats de santé, en intégrant, évidemment, à chaque fois une réflexion sur quelles sont les meilleures façons de faire par rapport à cette population et ce patient. Comment on fait? Ben d'abord, il faut trouver une population. Dans un territoire donné, il y a plein de populations, en vérité. Il y a la population en général, mais il y a aussi toute une série de sous-populations, par exemple des populations cliniques comme le diabète, la BPCO dans le département. Aussi des populations socio-économiques, évidemment, en fonction des professions, vous le savez bien, on va développer des enjeux de santé spécifiques qui vont demander, évidemment, probablement des prises en charge spécifiques ou des statuts socio-économiques. C'est-à-dire qu'on sait, malheureusement, les populations précaires vont concentrer énormément d'enjeux de santé et ça en fait des populations sur lesquelles il faut vraiment travailler avec une approche intégrée et spécifique. Une fois qu'on a choisi une population, en fait, on va la stratifier, c'est une pyramide que vous connaissez bien maintenant, en fonction de ses besoins. Et en fait, très généralement, on va se rendre compte qu'il y a une toute petite partie de cette population, j'ai pris l'insuffisance cardiaque, qui concentre des besoins et un niveau d'utilisation extrêmement élevé. Mais on va aussi travailler sur chaque strate à se fixer des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette population? Donc, évidemment, quelqu'un qui présente plusieurs facteurs de risque en matière d'insuffisance cardiaque, mais on va vouloir éviter qu'il développe une pathologie. Quelqu'un qui a déjà des problèmes d'insuffisance cardiaque, on veut éviter que son état se dégrade. Et quelqu'un qui est déjà un patient très, très, très complexe, bien, on veut lui permettre de vivre sa vie le mieux possible et d'avoir la vie la plus normale possible compte tenu de sa condition. Pour chaque population, et ça c'est le point central, on va élaborer un programme clinique partagé par l'ensemble des acteurs de santé d'un territoire. Et donc c'est un programme qui va être basé sur les meilleures connaissances scientifiques en matière de prise en charge, mais qui va être élaboré en commun par les professionnels de santé, par les intervenants, en fait toutes les personnes dont on aurait besoin pour bien prendre en charge une population. Des associations, le cas échéant, si on veut travailler en prévention, des infirmiers libéraux, des professionnels de santé mentale, parce qu'on sait que certaines catégories de patients, de populations, vont associer, évidemment, des problèmes de santé mentale avec des problèmes de santé physique. Et si on n'est pas capable de travailler sur les deux en même temps, en fait, on n'arrivera jamais à un bon résultat. Donc, vraiment, assembler autour d'une table toutes les personnes qui sont nécessaires pour élaborer ce programme et ensuite, bien sûr, le mettre en œuvre. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est évidemment associer à chaque fois les recommandations de meilleures pratiques à des ressources réelles. C'est-à-dire qu'on sait par exemple, pour prévenir le diabète, l'insuffisance cardiaque, les gens devraient faire de l'exercice physique.
ce ne sera pas un spécialiste hospitalier qui va aller faire du marathon avec une personne. Donc, il faut se demander, à moins qu'il y en a certainement dans la salle qui le font, mais en général, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, il faut se demander, mais qui dans notre territoire serait en mesure d'offrir ce service? Qu'est-ce qui existe comme association, comme service de mairie, comme professionnel, comme club, pour pouvoir faire une offre à ces patients en disant, ben, écoutez, vous allez recevoir un coup de fil de cette association et voici ce qu'on peut vous proposer en fonction de ce que vous voulez. Donc, associer à chaque fois des recommandations de meilleures pratiques à des ressources réelles qui existent sur le territoire et qui sont propres à chaque territoire. Et aussi, bien sûr, des indicateurs de suivi pour être capable de suivre ce qu'on va faire comme, en fait, comme système, là, un vrai système de santé sur un territoire. Et enfin, on va assigner des gens réels à chaque strate de la population. Donc, qui précisément dans notre territoire est dans la situation d'un patient très complexe? Quels sont les gens qui sont à risque de développer des maladies? Quels sont les gens qui ont déjà des pathologies et dont il faut éviter la dégradation? Donc, on va assigner des patients réels à chaque strate de la pyramide. Donc, un exemple, ce serait un exemple comme ça, un monsieur qui présente un profil comme ça, très certainement, donc qui vient d'un quartier difficile, qui est en surpoids, qui a une histoire familiale à risque. Clairement, si on ne va pas le chercher, cette personne-là, il va développer des pathologies. Mais évidemment, vu son profil, s'il vient d'un quartier difficile, vraisemblablement, il n'y aura pas de médecin traitant. Ça, c'est des gens qui ne profitent pas des systèmes de santé, qui ne vont pas d'eux-mêmes voir un médecin, ils n'en connaissent pas. Et donc là, il va falloir aller le chercher. Par exemple, via des programmes de dépistage qui existent déjà dans certains territoires, et le mettre en contact avec un médecin traitant. Et donc ça, il faut s'organiser avec la médecine de ville en disant, est-ce que vous êtes prêt à participer à ça? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir éventuellement des gens qu'on peut trouver? La partie en bleu, c'est des recommandations là, médicales. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la dégradation d'un état comme ça? Bien, il faut qu'il fasse du sport et qu'il change ses habitudes alimentaires. Et là, la vraie question, encore une fois, mais c'est qui est en mesure sur notre territoire de faire cette offre, d'assurer ce service, parce que c'est évidemment pas ni un spécialiste hospitalier, ni probablement un médecin généraliste, docteur Couturier. Est-ce que, je ne sais pas si vous pensez aller faire des cours de cuisine chez des familles défavorisées, mais ce qu'il faut, c'est être en capacité de faire au moins cette offre, de dire, écoutez, il existe ça, 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 et ça comme ressources sur le territoire. Et ça, on peut le suivre de façon assez facile. Et ça va être exactement le même modèle pour les gens qui vont présenter des pathologies lourdes. Donc, c'est exactement le même modèle d'assemblage où on parle de recommandations de bonnes pratiques et on assemble des ressources réelles autour de patients donnés. Donc, ça permet en fait de savoir à l'avance quels vont être les besoins de services d'une population et de s'organiser en conséquence, et donc de pouvoir beaucoup mieux planifier, évidemment, l'action de notre organisation de santé sur un territoire et pouvoir beaucoup mieux organiser le travail. Donc, effectivement, il y a ce groupe qui a été mis en place grâce au, disons, volontarisme de ces cinq territoires. Et là, je veux vraiment leur rendre hommage. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est assembler autour de ce groupe toutes les ressources nécessaires pour qu'ils puissent bien travailler. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs dimensions dans un projet comme ça. Évidemment, l'accès aux connaissances scientifiques, l'accès aux ressources opérationnelles, l'accès aux données et aux capacités de traitement de données, l'accès à de l'appui opérationnel. Donc, on va essayer d'assembler autour de ce groupe toutes les ressources qui sont nécessaires pour bien travailler et après, évidemment, produire des enseignements pour l'ensemble de la communauté hospitalière. Donc là, c'est un groupe expérimental, mais le but, c'est bien, évidemment, là, on crée maintenant, aujourd'hui, le système de santé du futur. Et ça, il faut que, évidemment, le but, c'est que toute la communauté hospitalière et toute la communauté de santé en profite. Donc le but, c'est pas qu'on reste entre nous, mais bien de générer des enseignements pour tout le monde, incluant, si possible, les pouvoirs publics. Et donc, l'architecture adoptée, ce sera j'en termine avec ça, les cinq territoires vont faire le choix de travailler ensemble sur deux populations communes. Et donc, ça donne une force de frappe extrêmement importante. Donc, très certainement, le diabète. Et là, on est en train d'organiser le choix entre la BPCO ou l'insuffisance cardiaque. Mais ça va être une des grosses pathologies chroniques. Ce qui permet, en fait, d'avoir une force de frappe énorme, de mutualiser les moyens et après d'évaluer l'effet de notre intervention. Donc, comme on va avoir des méthodes communes, des clés de stratification communes, des protocoles communs, on peut voir ce qui relève des facteurs locaux, de ce qui relève des effets de l'intervention. Donc, ça donne une force de frappe extrêmement importante. On regardait, on en discutait, et ça, c'est des enjeux qui vont se poser. On a commencé à sortir des chiffres de gens réellement hospitalisés dans les cinq territoires. On parle au minimum de 100 000 personnes qui ont été hospitalisées dans les dernières années dans les cinq territoires en lien avec ces pathologies. Donc, c'est une très grosse force de frappe et c'est une expérimentation énorme qui va générer des résultats solides. Donc, ce n'est pas moi qui en parle le mieux. En fait, c'est surtout vous. Donc, cinq personnes pour en parler aujourd'hui. D'abord, Dr. Thomas Couturier, que je remercie encore, qui est médecin généraliste, qui est président
de la CPTS, Union pour la santé du pays de Quimper. Vous savez, c'est toujours, et vous le savez mieux que moi, mobiliser, demander à des médecins libéraux, dire, écoutez, prends une journée pour venir nous parler de ça. C'est toujours un enjeu, donc un grand merci d'être là. Évidemment, c'est un projet d'intégration clinique, donc où les professionnels de santé, les médecins, les soignants jouent un rôle central. Donc, merci beaucoup, Dr. Hutin, qui est président de la CME du Centre hospitalier de Quimper. Merci d'être avec nous ce matin pour parler justement des enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire pour la communauté médicale et soignante? Philippe Luat, qui est directeur du GHT de l'Aube et ses années, Renaud Dugimon, qui est directeur du GHT du OEC, et Bruno Fauconnier, qui est directeur du GHT des Deux-Sèvres. Donc, alors, tous déjà engagés énormément d'actions, ou certains aussi travaillent dans cette approche depuis très, très, très longtemps. Donc, c'est intéressant de savoir aussi c'est quoi les enjeux pour un GHT, pour l'hôpital du futur, pourquoi est-ce qu'on s'engagerait dans une approche comme ça. Un très grand merci. Et donc, ma première question, ce serait pour Dr. Couturier. Donc, vous êtes médecin libéral. En quoi est-ce qu'un projet comme ça, donc vous voyez bien que le projet ne peut pas fonctionner si on n'est pas capable d'aller chercher, de s'entendre et de travailler très étroitement avec la médecine libérale. Alors, pourquoi est-ce qu'un projet comme ça répondrait à vos préoccupations et pourquoi est-ce qu'un projet comme ça devrait intéresser les médecins libéraux? Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais recontextualiser un petit peu les choses par rapport à la Cornouaille. Il faut comprendre qu'on parle souvent d'un système de santé assez cloisonné, avec d'un côté la ville, de l'autre côté l'hôpital. Mais il faut se rendre compte que le cloisonnement existe aussi au sein de la ville. Les professionnels de santé libéraux parlent relativement peu, que ce soit infirmiers par rapport aux kinés, les médecins par rapport aux deux populations précédemment citées. C'est vraiment important de comprendre ça. Et donc l'idée, initialement en Cornouailles, ça a été de créer cette CPTS qui s'appelle l'Union pour la santé du pays de Quimper, qui a pour objectif de mettre en relation tous les professionnels de santé au sens large du terme, c'est-à-dire professionnels de santé médicaux, médico-sociaux et sociaux, mais aussi les patients, parce que la santé ne peut pas se faire sans les patients. Ensuite, cette CPTS, qui est l'agora de tous les acteurs de la santé, a décidé de passer un partenariat avec l'hôpital Centre, qui est à Quimper, qui est l'hôpital La Hennec, qui est également la tête de pont du GHT Cornouailles, l'Union pour la santé, l'Alliance Cornouailles Santé, c'est le GHT. Et le GHT, c'est quoi, Pascal? Non, c'est le nom de votre GHT. L'Union hospitalière de Quimper. Voilà, l'Union hospitalière. Vous remarquez qu'à chaque fois, il y a l'Union, c'est important. Parce que sans l'hôpital, le libéral ne peut pas exister, mais sans le libéral, l'hôpital non plus ne peut exister. On a donc décidé de travailler ensemble, et l'objectif de ce partenariat, c'était d'améliorer la prise en charge curative des patients. Mais vous le savez tous, à l'heure actuelle, dans les pays développés, en France et en Cornouailles, on assiste à deux phénomènes. D'une, un vieillissement de la population. Deux, une chronicisation des pathologies. Et au final, on va se retrouver, si on ne fait pas attention, à se retrouver débordé très rapidement par l'afflux de patients nouveaux. Et donc, partant de ce constat, il a été nécessaire de réfléchir. Réfléchir à quoi ? Un système qui n'est pas seulement curatif, mais également préventif. Et pour améliorer et mettre en place les parcours de soins qui permettent d'accéder à cette prévention, il est important d'avoir un outil. Et cet outil, c'est l'approche populationnelle. L'approche populationnelle qui permet de caractériser l'état de santé de la population en fonction de son niveau social, en fonction de sa pathologie, de suivre le patient, de la caractériser à un instant T, mais aussi de suivre la population dans le temps. Et c'est vraiment important, il y a des outils qui sont adaptés pour ça, et c'est vraiment essentiel. Donc, l'approche populationnelle, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Nous, nos attentes en tant que profession libérale et nos préoccupations en tant que profession libérale, c'est quoi ? Nos préoccupations, c'est la santé de la population. On a beau dire que les libéraux sont parfois des mercenaires, on a pu le voir dernièrement dans la presse avec les urgentistes, il faut se rendre compte que les libéraux, on est avant tout des médecins. Et on est au service des patients. On a cette notion de service public et c'est pour ça que la CPTS s'appuie sur le code de déontologie. C'est réellement important. On a un but, c'est cette notion de service public qui est aussi une valeur importante de l'hôpital. Nos attentes, c'est d'avoir un outil performant qui va permettre de caractériser la population. C'est vraiment important. Et toutes ces dimensions, avoir une approche holistique de la population, c'est vraiment important.
Et enfin, pourquoi les libéraux ont envie de ça? Parce que les libéraux, ils ont déjà un petit peu cette démarche holistique. Quand ils ont un patient qui a des faibles revenus, la plupart des libéraux, contrairement à ce qu'on veut bien penser, adaptent ses revenus. Parfois, ils font des dépassements d'honoraires, tantôt ils n'en font pas, et tantôt il faut le tiers payant social, c'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas la totalité, ils ne font pas payer les patients. C'est vraiment important. Dans certains cas, ils s'adaptent en fonction de la pathologie. Les prescriptions dépendent de la pathologie du patient. Donc on a cette dimension holistique. Et l'approche populationnelle va aller plus loin et va permettre, en partenariat avec nos praticiens hospitaliers, nos partenaires hospitaliers, de développer des parcours de soins permettant une amélioration de l'état de santé global de la population. Voilà. Merci beaucoup, docteur Couturier. Docteur Hutin, maintenant, vu que vous êtes président de CME, là, du coup, hospitalier, en quoi est-ce qu'une démarche comme ça, parce qu'après tout, l'hôpital fonctionne à l'intérieur, en quoi est-ce que ça peut intéresser les communautés médicales des hôpitaux? C'est quoi les enjeux pour vous? Alors d'abord, je crois que l'enjeu, il porte au-delà de la communauté médicale, il porte sur la communauté médico-soignante des hôpitaux, qui passe d'abord par la reconnaissance des soignants au sein de nos structures, en particulier sur des compétences spécifiques et sur leur possibilité d'acquérir d'autres compétences, en particulier dans le domaine de pratique avancée ou de coordination. Et effectivement, l'intérêt d'avoir monté la CPTS, c'est aussi d'avoir permis la rencontre entre ces deux communautés soignantes, libérales et hospitalières. Et je crois que là, c'était déjà un élément important de découvrir, de redécouvrir ce qu'est la spécificité de l'exercice médical, mais également soignant, et médical aussi dans la difficulté de cet exercice en ville, et de reconnaître aussi le médecin généraliste comme étant le coordonnateur de parcours. Ce qui veut dire que dès lors qu'on a permis la rencontre de ces deux communautés, on a pu également répondre à la demande des médecins généralistes et des soignants en général libéraux sur le projet d'établissement et la nécessité d'adapter ce projet d'établissement sur ce parcours patient. Et une donnée très essentielle, c'est de recentrer le spécialiste au cœur du métier. Il faut que le spécialiste à l'hôpital puisse répondre à un événement du parcours du patient. Et pour cela, il fallait recréer, augmenter l'offre capacitaire des services de médecine polyvalente. Tout simplement, d'abord pour répondre à la post-urgence, l'accueil de la polypathologie de la personne plus ou moins jeune, mais également de pouvoir répondre à la demande des médecins traitants sur une admission directe qui évite un passage aux urgences. Et d'autre part, recentrer les spécialistes au cœur de métier, c'est aussi les restructurer sur des unités d'hospitalisation pluridisciplinaires, mais des plateaux exploratoires, à la fois en gériatrie, mais pluridisciplinaires de spécialité médicale, là aussi avec une coordination, par exemple par un interniste, qui permette de répondre à la demande du généraliste sur la possibilité d'accueillir les patients le plus rapidement possible sur ces plateaux et de pouvoir distribuer l'ensemble des examens et des compétences pluriprofessionnelles, mais également pluridisciplinaires sur ces structures. Et enfin, adapter, c'est aussi, on a un pôle de santé publique, et ce pôle de santé publique doit pouvoir répondre à être doit être au bénéfice des médecins généralistes et des soignants de ville pour permettre la prévention primaire et la prévention secondaire de ces patients sur les parcours. Merci, docteur Bruno Fauconnier. En fait, c'est une approche que vous connaissez bien, que vous avez expérimenté, déployé depuis plusieurs années. J'ai envie de demander, mais qu'est-ce que ça vous apporte de plus d'être dans le groupe? C'est quoi la prochaine étape? Disons, vous avez une longue expérience dans ce type d'approche. Alors, bonjour à tous également. Ça nous apporte plusieurs choses. Tout d'abord, la dynamique qu'on a mise en œuvre dans les Deux-Sèvres, elle s'étale maintenant depuis plus de 10 ans. Dans un premier temps, il s'agissait de nouer des contacts avec les référents de ville, médecins généralistes bien sûr en premier lieu, mais aussi infirmiers, chirurgiens dentistes, enfin toutes les professions en fait. Et donc on se retrouvait tous ensemble, à l'ordre des médecins d'ailleurs, c'était notre lieu, et on a commencé à travailler dans une logique plus ville-hôpital pour améliorer la coordination entre la ville et l'hôpital. Et de proche en proche, on en est venu à créer un schéma de collaboration qui est un peu complexe, puisque l'idée, c'est d'avoir 5 CPTS dans les Deux-Sèvres. Il y en a une qui existe maintenant. Ces CPTS sont partie prenante d'un GHT qui est totalement ville-hôpital dans les Deux-Sèvres. Et donc, on arrive au moment où la CPTS du Nord-Est a
commencé d'élaborer son projet territorial de santé. Elle a identifié 8 priorités. Dans ces 4 priorités, il y a 4 groupes de travail qui vont se mettre en place sur le diabète, la BPCO, l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale chronique. Et donc, c'est là qu'on rejoint la démarche nationale, puisque nous nous apprêtons à faire ce travail qui correspond à la démarche nationale. Donc, on s'intègre, je dirais, parfaitement. Donc, ben, c'est un plus. C'est un élément qui nous permet de mobiliser plus de monde. Peut-être que sur la BPCO, d'ailleurs, on ne le fera pas à Niort, mais avec un autre groupe de médecins généralistes dans le nord du département, parce qu'il y a, il y a un vrai problème. Alors, ce qui nous anime tous, c'est qu'on veut répondre ensemble aux besoins de santé de la population. On sait très bien que c'est impossible si chacun reste dans son coin. On veut avoir une vision globale de ce qui se passe. Et par nos échanges, par les forces statistiques qu'on a fait également, on commence à mieux comprendre ce qui se passe dans les Deux-Sèvres, avec un décrochage de consommation de soins de plus en plus important par rapport aux moyennes nationales, un décrochage qui concerne la ville, qui concerne l'hôpital en général, public et privé, qui concerne aussi la pharmacie. On a pu identifier aussi une multiplication de cas graves qui inquiète des médecins hospitaliers. On a une néphrologue qui veut absolument agir en amont et qui ne veut pas simplement avoir à prendre en charge des insuffisants rénaux chroniques graves parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites avant. Et donc l'idée se fait jour qu'on est ensemble, on porte ensemble une responsabilité responsabilité populationnelle, puisque comme on l'appelle aujourd'hui, et voilà ce qui nous anime aujourd'hui en quelques mots. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Philippe Bluat dans l'Aube, qui est aussi un des territoires, et vous avez aussi beaucoup mis de choses en place autour des systèmes d'information, des plateformes communes, etc. Donc, qu'est-ce qui anime un peu, qu'est-ce que l'hôpital ou qu'est-ce que le GHT peut aller chercher dans une démarche comme ça? Alors, c'est vrai que à l'origine, il y a quand même une logique de territoire. Chaque territoire a sa singularité. C'est un peu comme la Cornouaille. Notre particularité, c'est qu'on est un territoire relativement isolé. C'est-à-dire que la moitié de la population se trouve au centre, dans l'agglomération de Troyes. Et les seuls établissements MCO sont à Troyes. Et après, il faut faire une heure et pour trouver de route et pour trouver l'équivalent, c'est-à-dire des établissements capables de faire du recours, il faut faire une heure et demie. Donc, c'est une population très isolée. Et on a aussi regroupé finalement toute l'offre de soins institutionnels, puisque il y a une direction commune de tous les hôpitaux publics. On a racheté la principale clinique. Donc, vis à part sur la chirurgie, on n'est que dominant. Ailleurs, on fait entre 80 et 100% de l'activité en établissement. Et à partir de là, on était dans une logique de prestation de services à la population. On peut pas se désintéresser de ce qui se passe en disant la concurrence fera que les besoins seront assouvis. On était dans une logique de on doit travailler avec tout le monde, avec tous les acteurs du territoire pour concourir ensemble à la qualité des soins et à la qualité des prises en charge. Et dans cette logique, on avait depuis des années développer des liens avec les conseils des ordres, des rencontres régulières. On avait développé aussi avec les établissements médico-sociaux des environs, là aussi des rencontres, des coopérations. Et puis avec les institutions comme le département, etc. Et on avait développé aussi un système d'information, un portail ville-hôpital, dans cette logique de partage d'informations et de travail ensemble, qui était bâti sur l'idée qu'on mettait à disposition un système où tout le monde pourrait échanger, non seulement les gens les acteurs extérieurs avec l'hôpital, mais on aidait aussi les acteurs extérieurs à pouvoir échanger entre eux, notamment en travaillant avec un groupe qui réunissait pour le coup des médecins, des infirmiers, des aides-soignants et qui libéraux tous, et qui s'est dit pour mieux prendre en charge les personnes qu'on traite en commun, on veut échanger entre nous. Et donc on a bâti pour eux un système d'information avec le soutien de l'ARS. On a la chance d'avoir une délégation territoriale qui appuie nos dossiers. On a eu les aides financières pour bâtir un système qui leur est dédié et qu'on partage, parce que ce partage d'informations est important. Donc c'est vrai que quand l'FHF est venu nous dire on travaille sur responsabilité populationnelle, est-ce que vous voulez faire partie du groupe, c'était vraiment dans la logique de ce qu'on faisait. Et finalement, ça permettait de faire une étape supplémentaire, c'est-à-dire de conceptualiser et de rajouter à cette logique de travail en commun de tous les professionnels du territoire, une logique de il y a un public et ce travail en commun, comment on le cible pour être encore plus efficace que ce qu'on fait déjà par cet échange d'informations.
Merci beaucoup. Et enfin, Renaud Daugimont, dans le Douaisis. Donc, vous, vous aviez déjà mis en place toute une série d'actions communes avec les médecins de ville, des programmes de dépistage. Peut-être en dire deux mots, c'est extrêmement intéressant. La réaction peut-être de vos médecins hospitaliers, on était à Douai vendredi, par rapport à ces programmes conjoints avec la ville. Et enfin, très rapidement, c'est quoi la prochaine étape dans ce groupe? D'accord. Donc, nous, effectivement, nous avons commencé en 2015 une démarche de dépistage, d'éducation populationnelle à la santé auprès des publics les plus défavorisés du Douaisis. Et c'est cette démarche qui nous a amené à voir que finalement nos intentions et les intentions des acteurs de santé de ville étaient extrêmement proches de la responsabilité populationnelle et reprenaient un certain nombre d'indicateurs ou un certain nombre de parcours et de réalités qui sont déjà présentes. Donc c'est la raison pour laquelle on a vraiment adhéré avec beaucoup d'enthousiasme à la démarche. On a rejoint les quatre autres établissements et porteurs libéraux du groupe Pionnier. Ça a apporté beaucoup, je pense, à la fois aux médecins de ville et aux médecins hospitaliers, parce qu'effectivement, on se rend compte à notre contact, à partir du moment où on échange vraiment avec tous les acteurs de la ville, que nos problématiques et nos préoccupations sont les mêmes, que les enjeux sont vraiment identiques, et que notre manière de voir les choses et de traiter ces situations qui sont et humaines et sociales, qui sont extrêmement difficiles, sont complémentaires. Et donc c'est ce qui a permis justement de mobiliser tous les acteurs. Nous, initialement, nous avions un comité mixte ville-hôpital qui reprenait l'ensemble des acteurs et libéraux et hospitaliers, aussi bien infirmiers que médecins, pharmaciens d'officine, leurs confrères également hospitaliers. Et c'est ce groupe qui, demain, va travailler de concert avec les acteurs associatifs de quartier qui étaient dans un autre groupe de réflexion avec nous, avec les élus locaux, parce que je pense que c'est fondamental aussi que les élus puissent rester à nos côtés et lutter pour ce bien de la santé publique qui, je pense, est vraiment notre bien commun et sera vraiment un élément déterminant pour moi de la lutte contre les inégalités des territoires et du développement économique aussi de ces mêmes territoires. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'est un portrait, un tour de table extrêmement rapide. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Donc, évidemment, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous invite évidemment à vous tenir informés, puisque comme vous l'avez compris, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, énormément de choses très réelles vont arriver. On va voir, et ça c'est évidemment l'espoir ultime, c'est-à-dire pouvoir réellement changer la vie réelle de gens réels sur le terrain réel. Ce sont des choses qui vont, on l'espère, arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Évidemment, vous tenir informés avec toujours l'objectif de générer de la connaissance, du savoir pour l'ensemble de la communauté hospitalière et en fait l'ensemble de la communauté en général. Donc, encore une fois, très grand merci à tous et merci pour votre implication aussi dans cet énorme travail. Ça demande beaucoup, donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Est-ce qu'il y a une question pour les membres du groupe Pionnier avant d'attaquer la... Non, je vais laisser la parole à Zainab qui va, délégué général, animer la... Bien, alors moi j'ai pas de questions, si ce n'est que nous allons poursuivre sur le sujet de la territorialisation et des valeurs, et donc nous allons prendre votre place, messieurs, puisque la responsabilité populationnelle sur les territoires est génératrice de valeurs, mais également d'autres sujets sont générateurs de valeurs sur nos territoires au plus près des populations. Et dans ce cadre-là, je voudrais que nous abordions la psychiatrie et la santé mentale, les valeurs, puisque elle est source de valeurs sur les territoires, et en quoi elle est source de valeurs, et en même temps aussi l'innovation, l'adaptabilité des professionnels face aux enjeux et aux défis des territoires. Et nous allons voir là l'exemple de ce qui se passe sur Mayotte. Et donc j'invite donc à me rejoindre, Christian Muller, Pascal Mariotti, Catherine Barbezieux, pour ensemble aborder ces deux aspects de valeur sur les territoires. Alors je vous propose que l'on démarre avec... Tiens, tu peux te mettre là, Catherine, si tu veux. Ah oui, on va peut-être séparer les hommes et les femmes. Ok. Je vous propose que l'on démarre avec la psychiatrie et bien sûr, dans un sens plus large, la santé mentale. Et je vais, en attendant que Christian puisse mettre son diaporama en route, peut-être dire quelques mots sur le fait que
On entend souvent parler des spécificités de la psychiatrie et de la santé mentale. On n'entend pas souvent parler des valeurs que porte la psychiatrie et la santé mentale, et au-delà de ça, des valeurs qu'elles portent sur les territoires, et en quoi la psychiatrie et la santé mentale est vraiment source de valeurs dans le cadre des parcours de santé et dans le cadre du bien-être et de la cohésion sociale sur les territoires. Donc je te laisse la parole, Christian. Tu te présentes en même temps ? Oui, merci beaucoup. Christian Muller, donc, président de la conférence des présidents de CME des centres hospitaliers spécialisés. Je vous dis tout de suite, je m'en veux d'avoir remplacé en quelque sorte aussi rapidement les intervenants précédents. Le sujet était si passionnant, mais on s'y inscrit d'ailleurs tout à fait, de toute façon, dans le domaine de la psychiatrie. Alors, effectivement, peut-être en quelques mots, et c'est une intervention à deux voix avec Pascal Mariotti, peut-être vous dire, passer assez rapidement sur des choses que vous connaissez, mais peut-être de profiter de l'occasion, et je remercie encore la Fédération hospitalière de France de nous en donner l'occasion, de vous passer quelques messages concernant la psychiatrie sur la base de ces valeurs. Parce qu'il nous faut quand même rappeler là, en quelques mots, le contexte d'aujourd'hui. Le contexte d'aujourd'hui, il est, et vous en avez parlé tout récemment, d'une certaine tension, le mot est faible, dans le champ de la psychiatrie. Cette tension, on en veut pour preuve que quelques articles, d'ailleurs, pas moins de deux articles dans Le Monde dans ces derniers, pendant les vacances. Hein. D'une part, un texte de Daniel Zaguri, hein, qui n'est pas un extrémiste de la psychiatrie, qui disait, que nous connaissons tous très bien, et qui disait, le titre était « La psychiatrie publique est devenue un enfer ». Rien de moins que ça. Et puis un deuxième papier sur le caractère de saturation des centres médico-psychologiques. Donc vous voyez, problématique très tendue. Par ailleurs, et vous le savez aussi très bien, des établissements qui sont dans certaines difficultés, avec des mouvements de grève, parfois jusqu'aux grèves de la faim. Enfin, bon, voilà. Donc je ne peux pas commencer ces quelques mots sans venir dire le contexte, qui donc nécessite d'autant plus qu'on soit ensemble, je dis bien ensemble, et le rôle de la Fédération hospitalière de France est très important sur le sujet. Ensemble, pourquoi ? Ben, ensemble pour retrouver ce qui est dit, d'ailleurs, par ces acteurs, à savoir une perte de sens, et le mot a été employé à plusieurs reprises, une perte de sens, des risques d'instrumentalisation de la psychiatrie, vous le savez, notamment dans le contexte des événements dramatiques qu'on peut connaître dans notre pays, et qui fait que donc, que le demande d'ailleurs Daniel Zaguri à la fin de son texte, de réconcilier, il en appelle au président de la République, réconcilier les Français avec la psychiatrie publique, les soignants, d'une manière générale. Je peux ajouter aussi autre sujet de préoccupation qui fait l'objet d'un certain nombre de démarches que nous avons organisées, que la Fédération de France connaît bien, qui concerne la contention et l'isolement. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays pour que nous en prenons acte ? Nous nous interrogeons. Nous n'avons pas fait médecine pour enfermer les gens et pour les contenir. Augmentation des contentions, augmentation de certaines procédures d'hospitalisation sous contrainte. C'est objectivé. Et donc, cette interrogation-là, bien sûr, est une interrogation pour nous à différents niveaux, mais qui interroge bien sûr nos valeurs et qui interroge notre éthique. Et j'ai beaucoup apprécié, je tiens à le dire, l'intervention du professeur Aubry. Vous terminez le contexte en disant épuisement des équipes. Épuisement des équipes. J'insiste sur les infirmiers. Je crois qu'on a raison, ici à la Fédération, et je pense qu'il faudra le faire plus encore, d'insister sur le rôle des infirmiers dans nos établissements et de nos infirmiers, bien sûr, à l'hôpital, mais de nos infirmiers qui travaillent sur le territoire, et c'est le cas notamment pour la psychiatrie. Alors, les valeurs de la psychiatrie, en quelques mots, ne sont pas des valeurs propres à la psychiatrie. Ce sont des valeurs, en tout cas, qui sont consubstantielles aux soins du psychisme humain. Et comme c'est nécessaire pour le psychisme du soin humain, pour les gens qui sont les plus vulnérables, pour les gens qui ont perdu l'autonomie, qui ont perdu le sens commun, qui ont perdu le sens de la réalité, qui va respecter ces notions essentielles de psychisme ? Parce qu'eux ne vont pas venir le revendiquer. Ils vont même parfois nier la maladie. Et ces aspects-là de spécificité, il faut bien le reconnaître, parce que nous travaillons beaucoup avec des gens qui viennent dire qu'ils n'ont pas besoin d'être soignés. Eh bien, c'est vrai pour l'ensemble de la médecine, c'est vrai pour l'ensemble des professionnels que nous sommes. Donc, les valeurs de la psychiatrie ne sont pas des valeurs propres à la psychiatrie. Elles sont issues de ce qui est nécessaire pour soigner tout être humain.
souffrant et préserver son psychisme, a fortiori s'il est vulnérable, s'il est handicapé, s'il n'est plus autonome. Alors, les valeurs, je ne vais pas vous en faire le catalogue, vous les connaissez. Quelques mots quand même, parce qu'effectivement, quand on parle de responsabilité populationnelle, nous disons, mais nous, ça fait depuis, écoutez, 1946. Vous savez, Jean Guéhenno a vécu pas loin d'ici. Il a écrit, je ne sais pas si j'avais noté, les peuples comme les hommes se mesurent à leurs rêves. Eh bien, en 1946, un certain nombre d'acteurs, il y avait des philosophes, il y avait des médecins, il y avait des artistes, il y avait des sociologues. Tout cela ont rêvé quoi ? Dans le domaine de la psychiatrie. Ils ont rêvé le territoire. Ça s'appelait le secteur. Bon. Ils l'ont rêvé et ils l'ont mis en place dans une, comment dirais-je, un lien extraordinaire qui a eu lieu pendant 3 ans entre les acteurs qui étaient sur le terrain, qui avaient pensé à Saint-Alban et d'autres endroits en France, et au ministère. Ils avaient combattu ensemble. Ils avaient risqué leur vie ensemble. Et à partir de ce moment-là, ils ont créé la territorialisation de la psychiatrie avec ensuite tous les aléas que nous connaissons sur le sujet. Même à l'étranger, on a reconnu que cette territorialisation pour la psychiatrie était un exemple pour le reste de la psychiatrie en Europe et ailleurs. Alors, la psychiatrie pionnière de la territorialisation, je ne vais pas vous faire l'injure de le répéter, je le dis suffisamment souvent, de soins, mais aussi de santé, j'y reviendrai. La psychiatrie publique, de toute façon, elle est territorialisée. Je veux dire, ça, c'est une évidence. Depuis 1960, c'est dans les gènes de la psychiatrie de secteur, et donc de la psychiatrie publique aujourd'hui. La responsabilité populationnelle, j'ai été pendant plus de 10 ans responsable de secteur, chef de pôle, le territoire, mais je travaillais sur le territoire. Moi, la question du ville-hôpital, et je parle pour les psychiatres de secteur, je pense pas comme ça. Nous sommes dans la ville, nous sommes aussi la ville, et le lien avec les collègues généralistes, dont certains sont ici dans la salle, c'est très important et c'est très difficile. Et c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces notions de territorialisation, ces notions de prévention, on avait aussi le travail de prévention à faire avec la même équipe, et c'était important que ce soit la même équipe, c'est la notion de continuité des soins. Comme un enfant confie une mère confie son enfant à l'institutrice au moment de la rentrée. Pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas ? Et bien, cette image-là, c'est quand on confie un patient très malade, psychotique par exemple, à un autre soignant, comment ça se passe pour que ça fonctionne et que ce soit thérapeutique ? Mais c'est des questions absolument essentielles. Alors, cette continuité des soins, c'est-à-dire la référence médicale, on parle aujourd'hui de manager, de cas, etc. Eh bien, c'est depuis le début insuffisamment fait, hein, je sais bien la situation, en psychiatrie, mais c'était ça l'idée. L'idée, c'était donc d'insister aussi sur les hiérarchies de décision au sein d'un territoire. Parce qu'il ne suffit pas de mettre les gens ensemble dans un territoire. Et tous les territoires, c'est dit tout à l'heure, tous les territoires sont différents. Une fois qu'ils sont ensemble sur les territoires, c'est comment on coordonne avec des hiérarchies de décision. Lorsque je vois un patient dans mon CMP, je rappelle qu'il y a plus de 2500 CMP en France, ça c'est la proximité. Ils sont en train de fermer, hein, pour certains. Quand je vois le patient en CMP, qu'il a besoin d'aller à l'hôpital, je ne demande pas la permission à l'hôpital, c'est le même dispositif. Et il va à l'hôpital. Il va à l'hôpital de jour, il va dans d'autres structures, mais je vous donne les exemples les plus frappants. Donc, proximité, continuité, territorialisation, pluridisciplinarité. Et c'est vrai que nous avons à œuvrer à l'équivalent des réunions de concertation pluriprofessionnelles, qui avaient déjà lieu dans certains secteurs, où on se retrouvait dans des réunions de conseil de secteur, avec d'autres professionnels sanitaires et aussi libéraux, mais ces conseils de secteur n'ont pas été soutenus. Nous n'avions pas les textes pour soutenir. Et on sait l'importance des textes dans ce pays. Donc ça s'est passé dans quelques endroits, ça passe encore aujourd'hui dans quelques endroits, mais ça n'a pas été soutenu. Dernier point, pour ne pas être trop long, la psychiatrie a initié, vous le savez, de façon extrêmement importante, les conseils locaux de santé mentale, qui sont donc ces lieux de travail avec les élus qui existent, on en a parlé suffisamment. Nous pensons, et c'est un message que je vous adresse, je sais qu'il est soutenu par certains ici, que ces conseils locaux de santé mentale doivent s'ouvrir à la santé, ne doivent pas rester que le domaine de la psychiatrie. Alors, je sais que beaucoup de mes collègues sont inquiets sur le sujet, parce qu'ils disent, si vous ouvrez les conseils locaux de santé mentale, vous allez perdre ce qui fait aussi des questions qui nous concernent directement
sur l'organisation de la psychiatrie, les problématiques de santé mentale, etc. Moi, je dis, il y a un enjeu ensemble. Ouvrons, mais gardons forcément un volet psychiatrie-santé mentale dans ces conseils locaux de santé, dans ces aides... Enfin, bref, il y a différents noms qui sont tout à fait possibles. Mais je crois que c'est un enjeu important parce que, je répète, nous ne souhaitons pas rester, on nous en fait suffisamment le reproche, dans une tour d'ivoire. Nous ne sommes pas dans une tour d'ivoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en arrivions à une telle difficulté ? C'est que les textes de loi qui sont venus très tardivement en psychiatrie ne sont pas allés assez loin. Les obligations n'ont porté que sur le domaine sanitaire. Il n'y a eu aucune obligation dans le domaine médico-social, dans le domaine social. C'est-à-dire que, bien sûr, il n'y a pas de sectorisation du médico-social, il n'y a pas de sectorisation du social. Dans ce cas-là, on s'est retrouvé seul au milieu du guet. Et je pense que si nous pouvons et si nous avons à poursuivre sur la base de ces valeurs que j'ai rappelées très rapidement, c'est le point suivant. C'est nous avons désormais un texte très important, je pense qu'il ne vous a pas échappé, qui sont les textes sur les territoires de santé mentale et sur les projets territoriaux de santé mentale. Ces projets territoriaux de santé mentale, sur la base de territoires qui sont à la main des acteurs, c'est-à-dire que les acteurs ont besoin de se réunir pour définir quels sont ces territoires de santé mentale. C'est une obligation. Eh bien, ces territoires de santé mentale, il faut s'en emparer. Il y a une date qui est juillet 2020 pour la mise en place. Sinon, c'est l'ARS qui s'en occupe. Hein, pourquoi pas, d'ailleurs, si ce n'est pas fait. Mais je vous incite, et surtout aux responsables régionaux qui sont ici, à voir de quelle manière favoriser, réfléchir sur la territorialité de ces fameux territoires de santé mentale. Il y a là un rendez-vous qu'il ne faut pas louper. Ces territoires-là ne sont pas les territoires des GHT, forcément. Ils peuvent l'être dans certains cas. Mais dans d'autres, ils ne le sont pas. Et bien comprendre que le dernier outil dont je voudrais parler, qui est prévu aussi dans les textes, qui est la communauté psychiatrique de territoire, CPT. C'est très mal nommé. Hein. Ce n'est pas une communauté psychiatrique. C'est une communauté territoriale de santé mentale. Et là, nous avons à mettre autour de la table les acteurs médico-sociaux, les médecins généralistes, etc., etc. Et dernier point, mais ce n'est pas le moindre, les représentants des usagers et des familles. Car les grandes avancées de la psychiatrie sur ces 15-20 ans, ces valeurs dont on parle, elles ont été portées et très haut par les représentants des usagers et des familles. La reconnaissance en 2005 du handicap psychique, c'est eux. Voilà. Donc pour terminer, je voudrais simplement dire... Faisons de ce rendez-vous des territoires de santé mentale ensemble et de la rédaction de ces projets territoriaux de santé mentale une réussite. Nous avons là un outil qui va nous permettre, je l'espère, de rassembler les personnes et de donner, peut-être déjà commencer à donner, un début de sens à notre action dont on a vu aujourd'hui qu'elle en a bien besoin. Donc peut-être que nous avons eu raison, si vous voulez, comme on dit peut-être trop tôt, peut-être que nous avons eu raison seuls. Mais maintenant, et on le voit bien dans les interventions qui ont eu lieu, faisons-le ensemble. Je vous remercie. Merci Christian. Donc nous voyons bien quand même combien les valeurs sur le territoire peuvent fédérer. Et en quoi, Pascal, les valeurs peuvent-elles faire en sorte que sur le territoire... D'ailleurs, il n'y a pas de dichotomie, hein, santé mentale, psychiatrie et autres domaines de la santé. Mais en quoi ça constitue une plus-value pour optimiser le parcours de santé et plus particulièrement le parcours de santé des personnes qui souffrent de maladies mentales ou de handicaps psychiques. Alors, je n'ai pas forcément encore en état de répondre précisément à ta question, mais c'est vrai qu'on y travaille. Et il faut sans doute qu'on sorte de la simple logique des outils et des dispositifs qui caractérisent encore beaucoup, malgré tout ce qui a été dit, la période actuelle. Et c'est un peu normal, puisqu'on est en train d'essayer de reconstruire quelque chose, comme Christian l'a dit, et que ça suppose de s'interroger aussi sur les causalités, les responsabilités sectorielles ou collectives de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui fait blocage aujourd'hui. Alors, on a reconstitué notre duo, même si on représente des périmètres un tout petit peu différents. En général, on est plutôt d'accord. Et puis parfois, on a quelques points, non pas de désaccord, mais de divergences qui peuvent tenir justement à ces périmètres. Je ne vais pas développer.
La difficulté, c'est que quand on a fait un support, j'en fais de moins en moins, c'est qu'on s'aperçoit qu'arrivé en séance, et compte tenu de ce qui s'est dit, c'est plus tout à fait le bon, mais on va tâcher de s'en sortir. Alors, ce que je vous présenterai après, mais assez rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, c'est un travail qui est aussi programmatique au sein de l'ADES, c'est pour ça qu'il sera un peu décalé par rapport à tes questions. Mais je crois que dans le droit fil, parce que dire de plus de ce que Christian a évoqué, on voit bien que ce matin, on a parlé d'autonomie, on a parlé d'éthique, on a parlé d'hôpital de proximité, on a parlé de pairs, même si c'est indirectement, assez peu. Et Christian a utilement insisté sur cette question. On parle des aidants, mais souvent on parle des familles et des proches. On parle trop peu des pairs entre eux. C'est un thème qui monte actuellement très fort en psychiatrie et en santé mentale, évidemment, et qu'on est en train de structurer. Alors, la situation paradoxale dans laquelle on se trouve, s'il fallait parler comme ça, c'est que, comme l'a dit Christian, et comme vous le savez, on ne fait pas la leçon, mais nous sommes, du point de vue de la présence sur le territoire, et ce n'est pas qu'un rapport au territoire, il y a une nuance, très en avance par certains aspects, mais que nous nous retrouvons aussi très en défaut et très en difficulté sous d'autres aspects. Ce n'est pas que la faute des autres, c'est aussi la nôtre, donc il faut aussi qu'on s'interroge et qu'on fasse notre introspection. Pour prendre l'exemple, ce qui était d'une nature un peu différente de mon précédent établissement, et pour dire qu'on est dans la ville, 80% du temps médical cumulé n'était pas à l'hôpital, mais en ville. Et 60% pratiquement des temps soignants et socio-éducatifs cumulés étaient également à l'extérieur de l'hôpital. Ce qui pose évidemment par effet retour ou par effet de conséquence la question du format de l'hôpital, parce que cette question, nous ne l'avons pas réglée dans notre pays, et elle fait difficulté. J'avais l'occasion à un colloque à Besançon de m'exprimer sur ce sujet. La France a pas réglé la question du fait de la psychiatrie et du fait des politiques publiques, et elle se retrouve avec un hôpital aujourd'hui entre deux chaises, en quelque sorte, puisque les politiques sécuritaires peuvent aussi provoquer des retours en arrière et un réenfermement sur l'hôpital, y compris quand on parle de fermeture de CMP, de réinvestissement sur l'hôpital au détriment du territoire. Alors en fait, quand je donne ces taux, on voit que nous sommes parmi les acteurs de la ville, c'est-à-dire que l'hôpital est aussi la ville. Et c'est ce qui sans doute aujourd'hui nous différencie, et c'est ce qui pose question sans doute aussi à l'ensemble du champ hospitalier quand on entend parler de l'hôpital de proximité. Alors il s'agit pour nous donc de se dire que finalement, dès lors qu'on est dans cette position, on se retrouve en situation d'exacerber la question du rapport de l'hôpital à son territoire. Donc on est en situation de tension, il faut réinventer des choses, parce que le territorial, le populationnel, qui veut dire pour nous communautaires, hein, on préfère ce terme parce que c'est collectif, et puis ça parle des habitants. La responsabilité, c'est forcément une responsabilité partagée, ce n'est pas que celle de l'hôpital. Cette exacerbation nous fait dire qu'être à l'extérieur de l'hôpital et sur le territoire, ce n'est pas une vertu en soi. Ça pose la question des contenus de soins, et ça pose aussi la question de la clinique, sujet que les directeurs posent de plus en plus aux médecins dans notre champ d'activité. Donc il va falloir refonder sans doute la psychiatrie et la santé mentale l'une par l'autre à travers la ville et la communauté, mais il y a deux conditions, parce qu'il y a quand même un hôpital dans tout ça, et qu'il faut qu'on marche sur nos deux pieds. Alors c'est ce que je vais essayer de vous montrer très rapidement. Que je retrouve les flèches que j'ai perdues. Alors en fait, je voulais dire qu'on est effectivement confronté à une équation complexe et que mon parti pris, mon plaidoyer, c'est que dans un pays dont nous savons qu'il est ultra centralisé, sans qu'il se passe souvent grand-chose d'impératif finalement à l'autre bout du spectre, je pense que l'enjeu du service public, c'est aussi de prendre ses responsabilités et de faire. C'est celle-là. Alors, nous sommes dans un champ d'évidente complexité. Je vous ferai grâce de ne pas le développer. Et je pense que je vais passer tout de suite au suivant. Faire de la complexité un atout, en quelque sorte, et si ce ne sont pas que des mots, c'est de se dire, et ça renvoie directement au propos de Christian, que le modèle du secteur doit être rénové, puisque c'est leur propos même. La question, c'est bien celle du contenu de cette rénovation. Il faut signaler aussi que dans la complexité, et j'insisterai là-dessus, nous représentons les uns et les autres une discipline. C'est un métier un peu différent de travailler dans un champ monodisciplinaire ou pratiquement monodisciplinaire, et avec effectivement un hôpital qui, pour l'essentiel, n'est pas autour de vous. Et qui fonctionne quasiment sans plateau technique, même si cette question, il va falloir la réaborder, vous allez le voir tout de suite après.
Alors c'est le service à la population, hein, pour reprendre cette question-là, elle nous confronte à une discipline qui est à la fois hospitalière et communautaire, vous l'avez compris, avec des pathologies, si je caricature peut-être un peu, qui sont à la fois, et ça c'est une thématique qui monte, neurodéveloppementale, environnementale, avec les différents sens à donner aux facteurs d'environnement, ils sont psychosociaux, mais ils sont aussi l'environnement en quelque sorte au sens premier du terme, écologique en quelque sorte, et puis ces pathologies sont aussi, ne serait-ce que parce que les crises peuvent se répéter, dégénératives. Donc on voit que par ailleurs notre parcours, et on parlait de continuité des soins, s'inscrit dans un double champ médical et du handicap. Rappelons que notre cœur de métier en quelque sorte, mais ça vaut aussi pour les troubles fréquents les plus aggravés, font que 80% des personnes souffrant d'un trouble sévère et persistant, c'est documenté y compris à l'international par les preuves, sont confrontés à un handicap consécutif. Et ce handicap, pour moi, est consécutif à la pathologie. Le handicap ne peut pas effacer la pathologie et ne peut pas effacer le sanitaire. On connaît les exacerbations du sujet de la part de certains, et ceci n'est pas propre à l'autisme. C'est une discipline également, et Christian l'a fort bien souligné avec mes mots, elle est médicale, mais elle est aussi sociale, elle est dans le champ des sciences sociales et sciences humaines, y compris au plan académique. Alors c'est pour ça que je voulais tenter une double approche, mais je vais aller très vite, rassurez-vous. Alors cette discipline médicale, parce que le dernier slide, c'est la partie territoriale, et Christian a déjà dit pratiquement tout, qui est à conforter si on veut marcher dans nos deux pieds. On ne peut pas regarder que le territoire. Il faut aussi qu'on refonde l'hôpital psychiatrique et les activités psychiatriques qui ne sont pas que celles de l'hôpital monodisciplinaire, hein, je le souligne à chaque fois, dans l'organisation hospitalière. En gros, on voit bien, et on l'a toujours souligné, que les PMP des GHT priorisent pour l'essentiel les besoins transverses de soins psychiatriques des autres spécialités. Cette fameuse psychiatrie liaison, c'est un progrès, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'il nous faut aussi, dans le champ de la clinique et dans le champ disciplinaire, d'une discipline médicale, penser collectivement, et les médecins les premiers évidemment, la psychiatrie pour elle-même. Alors sur la question de l'organisation du pilotage de la psychiatrie, parce que cette difficulté, il va falloir la dépasser, et en particulier de l'activité de psychiatrie, qu'elle soit monodisciplinaire ou pas en tant qu'établissement, dans les GHT en particulier, il va quand même falloir revenir sur un certain nombre de propositions pour faire avancer le jeu. Je ne développerai pas. Nous avons également besoin d'outils de plateau technique, diagnostique et interventionnel pour assurer le service à la population, en particulier parce que nous sommes confrontés et de plus en plus à des cas ou à des expressions complexes et à des pathologies rares. Ce sont là des conditions pour améliorer le diagnostic et le pronostic, personnaliser les soins. Les réponses peuvent être spécifiques, exemple de nos centres experts dans nos établissements, ou partagées. Aujourd'hui, effectivement, nous allons devoir, si nous voulons améliorer le service à la population, et notamment territorial, améliorer le diagnostic, et en particulier, on sait que notre pays est en défaut sur la précocité du diagnostic. Hein, le diagnostic des psychoses intervient avec un retard en moyenne de 2 à 4 ans, et ce n'est qu'une moyenne. Ceci péjore, évidemment, le pronostic à suivre, et en particulier l'autonomie. Tout ceci, effectivement, fait que nous allons devoir affronter avec les autres établissements hospitaliers, puisque ces plateaux techniques ne peuvent pas être des plateaux techniques propres à nos établissements, cette question des outils du diagnostic et de plus en plus des soins. La question aussi, on ne pourra pas l'éviter, alors elle fait débat évidemment, hein, c'est un point sans doute de divergence entre nous, ou au moins partiellement, c'est faire retour dans le champ des neurosciences, notamment universitaires, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix que la psychiatrie clinique soit actrice des nouvelles approches scientifiques, en particulier la montée en puissance que j'évoquais du neurodéveloppement. Il nous faudra répondre plus directement aux impératifs de la recherche, quoi qu'on en dise, elle reste en déclin, même si on essaie de la développer, et de l'innovation. Et ça interpelle en particulier pour moi, et ça c'est un point sans doute de désaccord avec beaucoup, la question de la réarticulation des principaux CHS qui n'ont pas de valence universitaire, j'ai la chance de l'avoir, au champ universitaire si on veut refonder une partie de la clinique sur des bases qui sont en profonde évolution. Parce que si on ne fait pas, évidemment, on ne sait pas améliorer le service à la population en se pensant comme une discipline communautaire. Une discipline communautaire, elle est aussi médicale, clinique, elle doit donc avoir des contenus cliniques. Donc, je m'arrête là, puisque Zénab m'ordonne de m'arrêter, puisque pour l'essentiel, Christian vous a dit ce qui était à dire, et je ne serai que répétitif, en remarquant simplement, parce que je sais que les textes vont sortir, que nous aurons, en tant que discipline médicale et en tant qu'établissement hospitalier, quelle que soit notre organisation, et Christian en a fort bien décrit les objectifs et les enjeux sur le territoire, à nous affronter aussi à des contenus cliniques. C'est
paradoxe du directeur qui le dit et pas le médecin, c'est la généralisation sans doute des soins de réhabilitation et de remédiation cognitive, dont, évidemment, je ne vais pas le développer, on voit tout de suite l'articulation avec les autres champs, en particulier médico-sociaux et sociaux, puisque je pense que la question aussi des soins de parcours, des soins territoriaux, s'ils doivent être porteurs de sens pour les institutions, parler aux patients et leurs familles et porteurs de sens pour les professionnels, encore faudra-t-il trouver ce qui fera fil conducteur transverse entre nos trois champs d'activité dont on sait qu'ils sont encore extrêmement cloisonnés. Merci de votre attention. Oui, merci Pascal, et permettez-moi tous les deux peut-être une note d'humour, j'espère ne pas avoir généré trop de frustration, auquel cas Christian Muller, tu prendras le relais, et puis d'ores et déjà, ah bon, et d'ores et déjà, est-ce que vous avez des questions à poser, une volonté d'échanger sur ce qui vous a été présenté, ou en tout cas interroger la psychiatrie et la santé mentale? Non. Donc je vais vous proposer d'enchaîner maintenant avec un focus sur un territoire, un focus qui va mettre l'accent sur comment et surtout qui va mettre en évidence la capacité d'adaptabilité et la capacité d'ingéniosité et surtout la capacité et la force pour assurer un service public sur le territoire, et quelles que soient les circonstances, et nous savons combien ces circonstances sont très difficiles, et je veux parler là d'un territoire ultramarin, focus sur Mayotte, et je remercie vivement Catherine Barbezieux d'être là avec nous et de nous présenter, de nous montrer ce qu'elle a pu mettre en place au travers du rôle incontournable que joue le CH de Mayotte. Merci Zaina. Je dirais ce qu'on a pu mettre en place, y compris les équipes précédentes, parce que c'est un travail, et je pense que la gageure va être encore plus importante de présenter en 7 minutes et demie la problématique de Mayotte et la façon dont effectivement on essaye de porter, je dis bien on essaye dans un contexte très compliqué, le défi des valeurs du service public hospitalier autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le docteur Muller tout à l'heure. Effectivement, les valeurs sont universelles. Ces valeurs me paraissent être universelles. Et là, on parle de territoire ultramarin avec de l'interculturalité. Je pense que, comme vous le savez, ça a défrayé la chronique. Mayotte est régulièrement en crise. Et on peut se poser la question sur le fait, effectivement, qu'il y ait ce gap aujourd'hui entre ces valeurs qui sont portées, ces valeurs qui sont attendues de la part des populations ultramarines et la rapidité ou peut-être un peu la lenteur à laquelle on est aujourd'hui en mesure d'y répondre, en sachant qu'il y a... J'ai voulu commencer ma présentation par des photos, bon ça va nous changer un petit peu, on est en fin de matinée, l'hypoglycémie nous guette, donc en fait ça c'est l'hôpital de Mayotte il y a 20 ans, c'est pas très loin. Un hôpital de brousse avec 4 médecins VAT qui faisaient tourner cet hôpital, pas de support logistique, le linge lavé par les personnels, séchant sur les grilles, la cuisine faite par les femmes du village pour les patients et pour les personnels. Aujourd'hui, l'hôpital de Mayotte, j'ai été très surprise quand je suis arrivée à Mayotte par la qualité exceptionnelle du plateau technique. L'équipement biomédical est remarquable, les infrastructures hôtelières sont remarquables. Un seul bémol, c'est qu'ils sont totalement sous-dimensionnés par rapport aux besoins. Là, vous voyez, on a la photo en haut à gauche. On vient d'installer un système de régulation du SAMU, tout à fait innovant, réanimation pédiatrique, IRM, scanner, bloc opératoire, tout à fait correspondant aux critères métropolitains. Alors les enjeux, je le disais, la difficulté effectivement pour cette activité hospitalière à Mayotte, il y en a plusieurs, c'est l'insularité qui est synonyme d'isolement.
Donc on a un problème de continuité territoriale hein, qui est compliqué. On a des pathologies très lourdes à prendre en charge. On a également des problématiques logistiques, puisque la plupart de nos approvisionnements se font par bateau, 3 mois de livraison, un peu de fret aérien, et donc impossibilité de rompre cette chaîne logistique, si ce n'est de remettre en cause et en péril la qualité des prises en charge. Une explosion de la population. Alors, en 2017, on a recensé 263 000 habitants officiellement, plus 76 000 en 10 ans. Et puis, on a la plus forte densité de population après la région Île-de-France, avec une population qui est très, très jeune. Hein, plus de 50% de la population a moins de 20 ans. L'hôpital, les patients de plus de 60 ans, c'est 3% de... Donc notre patientèle. A contrario, une densité médicale très très faible, puisqu'on a la plus faible densité au niveau national, 133 sont les données de l'Ordre national des médecins pour 100 000 habitants, contre 335 en métropole, et encore ça a évolué. Et puis il faut savoir qu'on a 22 médecins libéraux, hormis les médecins de l'hôpital, et quelques infirmiers libéraux. De lourdes problématiques de santé publique, on a une émergence très importante de maladies chroniques, diabète, infectiologie. Ça peut paraître surprenant, on a une file active de patients atteints de la lèpre, à peu près 130 patients qui sont suivis annuellement. Également, nous sommes devenus un département depuis 2011, donc là, comme je me plais à le dire, ça fait plus de 7 ans maintenant, on a atteint l'âge de raison. En revanche, ce qu'on nous demande, c'est effectivement l'application de textes réglementaires, même si la convergence n'est pas totale, puisqu'elle va se faire progressivement jusqu'en 2022, mais donc avec les mêmes, et ce qui est normal, hein, les mêmes applications réglementaires et les mêmes enjeux, et d'ailleurs on y est très sensible, malgré la complexité de la qualité des prises en charge des patients. Quelques chiffres, je ne vais pas vous abrutir de chiffres. 9674 naissances, alors ça c'est connu, parce que je crois que la totalité des médias européens ont défilé à Mayotte depuis les derniers mois. Ça a été largement explicité par la presse. 53 000 passages aux urgences, un taux d'occupation moyen de 108%, avec des pics, on le verra, des consultations externes, plus de 498 000. Là, je ne compte que le site central et puis 38 000 séjours hospitaliers. Alors, les particularités, le CHM, le seul établissement sanitaire de Lille, il n'y a pas d'établissement privé. Il n'y a quasiment pas de secteur associatif et il n'y a quasiment pas non plus de secteur médico-social organisé. Ça commence un petit peu. Alors, l'associatif est très présent, par contre, sur la prévention. On a un exercice médical et soignant dans un contexte multiculturel. Il faut savoir qu'une forte partie de la population ne parle pas le français et que donc nous avons toute cette problématique de la prise en charge médicale. D'ailleurs, il y a des tests très intéressants qui ont été faits par des médecins sur la relation à trois. Cette relation à trois, le médecin, le patient et le traducteur. Parce qu'autrement, on n'est pas en mesure de faire des prises en charge correctes. Et puis, ça augmente le poids de notre T1, bien évidemment, puisque un médecin égale un traducteur, systématiquement. Et puis, les croyances et les traditions. Alors, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais par contre, ça a un impact. Il y a une médecine traditionnelle qui est très présente, au travers de Fundi, qui sont des religieux médecins traditionnels. Et les patients viennent souvent à l'hôpital en dernier recours, quand ils n'ont pas réussi à être soignés ou guéris. Ce qui veut dire que nous avons, notamment en cancérologie, des patients qui arrivent très fréquemment en phase 3 et, ou des situations très dégradées à l'arrivée. Je le disais, un taux d'occupation 150% en réanimation, et oui, c'est possible, en moyenne, hein, sur l'année. 140% en pédiatrie, ça veut dire quoi? Ben, on trouve des solutions, ou du moins on essaye, avec des SSPI qui sont à la fois SSPI et annexe de la réanimation pour pouvoir faire face à cet afflux d'activités.
On a certaines disciplines qui sont non représentées, neurochirurgie, je ne vais pas toutes les citer. Donc on fait énormément d'évacuations sanitaires, 1 000 par an, soit vers le CHU de La Réunion, qui est notre établissement de référence à 2000 km, ou vers la métropole en fonction des pathologies. Et puis une autre spécificité qui n'est pas des moindres, c'est le fait qu'on a une dotation globale, on est encore en dotation globale, non pas en T2A, avec un budget annuel de l'ordre de 200 millions d'euros. Alors, quand on a connu, comme on le connaît depuis 3 ans, 25% d'augmentation d'activité à peu près sur les 3 dernières années, je peux vous dire que la dotation globale n'est pas adaptée. La T2A non plus, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on avait milité à un moment donné pour que l'on trouve, on va peut-être y arriver, je ne sais pas si on sera inclus dans le périmètre, je ne pense pas dans un premier temps, mais pour qu'on trouve des modèles de financement qui soient adaptés à un établissement qui à la fois qui a toutes les missions, en fait. On le verra plus tard. Et alors, dernière cerise sur le gâteau, le CHM joue le rôle d'AME. Il n'y a pas d'AME sur l'île de Mayotte, hein, nous ne sommes pas inclus dans le périmètre. En revanche, en maternité, nous avons 70% de patients non affiliés. Et sur les autres disciplines, une moyenne de 40 à 45% de patients non affiliés. Ce qui veut dire que là aussi, un poids important par rapport à nos dépenses annuelles. Alors effectivement, on en a parlé toute la matinée, les problématiques, les missions de service public, mais aussi nos valeurs. Ça nous a demandé de l'adaptation. Alors je ne dirais pas qu'on a tout réussi. C'est juste une présentation de ce qu'on fait par rapport à la situation telle qu'elle se présente. 411 lits et places hein, pour 300 000 habitants, ce qui est peu. En fait, l'hôpital est structuré d'une façon que je trouve intéressante en termes de maillage territorial. On a un plateau... On a un plateau technique et des services de spécialité centraux à Mamouzou, qui est la ville principale de Mayotte. Et puis, nous avons un réseau de 4 centres de référence qui sont au nord, au sud, au centre de l'île et un sur Petite Terre, puisqu'il y a 2 îles à Mayotte. Alors, sur ces centres de référence, qui sont partie intégrante de l'hôpital, nous délivrons des consultations de généralistes, cabinets dentaires, éducation thérapeutique et prise en charge des maladies chroniques, et là, c'est une vraiment spécificité, 20 lits d'obstétrique où on pratique les accouchements normaux, j'allais dire les accouchements qui ne sont pas des accouchements pathologiques, puisque les grossesses pathologiques sont orientées sur le plateau central. Ces centres de référence fonctionnent avec uniquement des sages-femmes, pas de médecins, ni gynécologue ni anesthésiste, et uniquement en soutien éventuel des médecins libéraux généralistes, ce qui veut dire qu'il y a eu un transfert de compétences hein, et notamment au travers de la pause des ventouses kiwi pour s'adapter et éviter des problèmes sur des accouchements qui se compliqueraient. On a également là aussi une autre spécificité, une permanence 24 heures sur 24 qui est tenue par des médecins généralistes qui ont suivi une formation de partenaires SAMU, ce qui est une bonne chose parce que ça permet d'avoir un premier accès aux soins pour la population qui a beaucoup de mal à se déplacer compte du fait que le réseau routier n'est pas bon, il y a beaucoup d'embouteillages, il y a très peu de routes, il y a très peu aussi, il n'y a pas de transport en commun. Et ce qui donc est une bonne chose, mais qui les met aussi en difficulté. Et puis on a 13 dispensaires qui sont répartis sur le territoire, attachés à ces centres de référence. Alors, j'allais dire de l'empirisme à la stratégie. En fait, on se rend compte que cette organisation, elle a été menée de façon empirique, au fur et à mesure, en fonction des volontés des uns et des autres. Et ce qui nous paraît absolument essentiel, c'est d'arriver justement à faire de ces faiblesses, parce que ça peut être aussi considéré comme des faiblesses, mais aussi à certains de nos atouts, une possibilité justement d'une meilleure prise en charge, même si on sait que les capacités, on sera de toute façon obligé de les augmenter, pour répondre notamment à une problématique majeure qui est l'accessibilité aux soins. Donc on est en train d'upgrader les centres de référence. On fait une expérimentation à partir de l'année prochaine. Donc 2 centres de référence sont volontaires pour qu'on délocalise de la laboratoire, qu'on fasse de la petite chirurgie qui demande uniquement du loco régional, de l'imagerie. On est également en train de mettre en place des infirmiers de tri et d'orientation. Alors traditionnellement, c'est aux urgences
qu'on a des infirmières d'orientation. Là, ça sera sur les files d'attente de nos centres de référence et dispensaires, parce qu'il faut savoir qu'on a, en moyenne 300-400 personnes qui arrivent à 5 heures du matin et qui attendent leur tour pour passer. Sur cette population, 20% on leur prescrit du sérum physiologique et de l'efferalgan. Ce qui veut dire qu'on est en train de mettre en place ces infirmières de tri en essayant de voir si on ne peut pas avoir une première consultation infirmière pour donc déjà régler ces 20% et donner un peu plus d'accessibilité aux soins aux autres. Attractivité, fidélisation, on en a parlé tout à l'heure. On a effectivement expérimenté, alors mis à part les aspects financiers qui ne fonctionnent finalement, il faut, c'est important, hein, je crois qu'on en a parlé hier, le différentiel des rémunérations entre les praticiens, mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Les mesures d'attractivité financière qu'on a pu mettre en place, moi, pour moi, sont des échecs. Parce que derrière, si on veut le pérenniser, avoir de la fidélisation, et non pas avoir des médecins ou des professionnels sac à dos, ça doit passer par les projets, essentiellement. Et d'ailleurs, on participe à beaucoup de travaux de recherche, on est en train de développer ces aspects-là pour les médecins, parce qu'on s'est rendu compte que c'était très attractif pour les jeunes générations. On a également, donc je le disais, effectivement, expérimenté les transferts de compétences sous l'égide de l'ARS, avant, bien avant l'article 51. Et puis, on a également mis en place des postes d'internes partagés. On se rend compte que ça marche très bien. Des postes d'internes partagés entre médecine de ville, les quelques médecins de ville qui sont, puisqu'on en a 20, qui sont favorables à cette expérimentation, et les services de médecine de l'hôpital. On a des réussites avec des installations sur place. Coopération médicale, on en a parlé aussi ce matin. Notre établissement de référence est le CHU de La Réunion. On a des conventions, on a des missions qui viennent régulièrement pour prise en charge des patients sur place. Et puis, on a des assistants partagés avec, là aussi, une belle réussite. Parce que ça, c'est gagnant-gagnant avec les CHU, puisque tout est pris en charge par le centre hospitalier de Mayotte et que l'on est en mesure d'avoir donc des assistants une année sur Mayotte, une année sur le CHU d'origine, et que ça a permis de développer des beaux partenariats. On a obtenu 15 postes cette année supplémentaires et on en aura 15 l'année prochaine. Voilà, appui PMI, il y a des PMI qui relèvent du conseil départemental qui ne mènent pas à bien leur mission. Donc on a passé une convention avec eux pour tenter de relancer l'activité là aussi sous l'égide de l'ARS et de la préfecture qui s'est impliquée dans ce dossier avec des temps partagés médicaux, sages-femmes et des politiques d'achat communes. Ensuite, par la force des choses, également système d'information, télé-imagerie, télé-expertise, télé-médecine. Donc on a mis en place avec La Réunion un système pour prendre en charge les AVC qui étaient pris en charge de façon dramatique jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Et puis également, c'est en train de se mettre en place pour la chirurgie infantile. Et on a recours à une plateforme privée pour la télé-imagerie la nuit et le week-end, puisque le nombre de radiologues sur l'île est de 3. Pour 300 000 habitants, je vous laisse imaginer la facilité pour gérer tout ça. Gestion de crise. Alors, je ne voulais pas m'apesantir dessus non plus, parce que les journaux ont largement relayé les crises qui ont secoué Mayotte. Je voulais juste dire, effectivement, hein, c'est un climat tendu, un peu comme la psychiatrie, avec des grèves longues, très violentes. En même temps, ça nous a obligés à là vraiment nous adapter. Pour vous donner deux exemples, l'année dernière, grève de Total pendant un mois d'août, plus de carburant pour les agents qui ne pouvaient plus se rendre au travail. Il faut savoir qu'il y a 2700 agents à l'hôpital et qu'ils habitent, c'est une île de 30 km sur 10, ils habitent tous aux quatre coins de l'île. On a été obligé de mettre en place en 24 heures 5 lignes de bus, il n'y a pas de transport en commun. 5 lignes de bus pour desservir l'ensemble des communes qui ont été prises en charge par l'hôpital pour pouvoir acheminer les personnels et assurer la continuité du service public. Cette année, 2 mois de blocage, barrage, quasiment étanche. Nous sommes changés en armateurs de bateaux, puisque là aussi, grosse difficulté, impossible de passer.
Donc on a mis en place 9 lignes, 9 rotations maritimes, là aussi avec les partenaires. Enfin, on a demandé à ce qu'il y ait une réquisition des bateaux qui habituellement font des sorties lagons. Et ces bateaux donc, ont servi à acheminer les personnels, mais aussi des patients, pas trop, mais surtout la logistique. Parce que le port a été bloqué pendant 2 mois et qu'il a fallu user de toutes les ruses de Sioux pour pouvoir approvisionner l'hôpital, notre plateforme logistique étant située au port. D'ailleurs, on est en train de créer une zone logistique intermédiaire parce qu'on n'y pense pas, mais il faut qu'on soit très prudent quand on a justement des zones logistiques qui sont trop excentrées par rapport à l'hôpital. Même si ça a été beaucoup la mode à un moment donné, c'est pas obligatoirement la meilleure des solutions. Coopération régionale, 2 mots, tout est en stand-by de toute façon à cause de nos problèmes diplomatiques avec les Comores. Mais on a aussi développé des partenariats avec Caritas, des systèmes de SAS, avec des gradations, donc un vrai parcours de soins. On l'a fait pour les brûlés, ça fonctionne très bien. Où moins de 30%, ils restent aux Comores. 30, 70, ils viennent à Mayotte. 70, 100, c'est compliqué, mais ils partent au CHU de La Réunion avec tout un système de retour après leur prise en charge. J'ai été un petit peu longue, excusez-moi, mais c'est vrai que ça me passionne, c'est un sujet qui me passionne et que j'ai envie de partager. Alors, j'ai fini par une petite... c'est une petite provocation gentille. Et si Mayotte est un creuset expérimental, je me rends compte que Mayotte, effectivement, quand j'ai préparé ce petit travail, et même bien avant, on a finalement les mêmes problématiques que la métropole, qu'en métropole, hein, des problèmes de crise sociale, des problèmes d'attractivité, des problèmes de désertification. Et malheureusement, bon, aujourd'hui, Mayotte apparaît plutôt au travers de la presse comme étant... c'est un peu un endroit où on accouche énormément et puis où il y a beaucoup de crises sociales. Donc tout ce travail qui a été réalisé, et moi j'ai trouvé un écho dans la préparation et les orientations de la FHF concernant notamment la médecine de proximité, il me semble que même si ça a été de façon empirique, même si on a eu beaucoup d'échecs, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, que c'est absolument intéressant qu'on puisse avoir... qu'on puisse entendre la parole aussi des Outre-mer, parce que Mayotte est spécifique, mais il y a aussi les autres Outre-mer qui ont chacun leur spécificité, qui ont chacun mis en place un certain nombre d'éléments pour arriver à faire vivre ces valeurs et mener à bien ces missions. Et j'espère que cette voix sera entendue. En tout cas, merci de nous avoir donné la parole aujourd'hui, même si c'est un focus sur Mayotte uniquement. Et... vous l'avez dit, c'est ensemble, y compris ces petits bouts de terre à l'autre bout du monde, qu'on arrivera à faire certainement quelque chose et à tirer un peu aussi les enseignements de ce qui peut être fait par les uns et par les autres. Je vous remercie.